Une partenaire qui baise bien et qui est infidèle, ou qui baise mal mais qui est fidèle. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. On peut pas le... Ça save pas automatiquement, c'est ça? Ouais. Ah, complètement. Trop tard. Bon, allez. 1-0 dans ce BO3. Oh, nice. Non. T'as jamais joué Pete? Non. Non. Au fond du gouffre, ouais. Pas mal, en vrai. Pas du tout, je vais me faire laver. Comme... Oh. C'est quoi son pli là? Putain mais... Ah. Ah, tu reviens. Dommage, t'es bien parti encore mais... Aïe aïe aïe. Hop là. Mais tu vois je... Oh. 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 Ok. Oh. Eh ouais bah oui. Oh là là, là il m'attendait. D'où vient le pseudo Poncefesse? En vrai, oh, en vrai l'histoire, l'histoire est à chier, ça le problème. C'est que c'est juste un reroll sur... Oh merde. C'est un reroll sur World of Warcraft. Et... J'ai aucune idée de pourquoi c'est resté. Mais après, en vrai, appelez-moi Ponce, hein, les gars. Genre, tout le monde m'appelle Ponce. Mais ouais, c'est une... Oh putain. En fait, j'arrive pas à terminer. Hein, de tout... De... C'est le problème de ma vie, je crois, hein, sur ce jeu. Je vais pas réussir à te finir. Ok. C'est un plus de sang depuis tout à l'heure, c'est infernal. Tu sais que ça sert à rien que tu cheats là, t'étais invincible. Je voulais tester voir si t'avais pas oublié. Non, c'est du coup. Oh. Ah ouais, ok. Fait que je m'arrange. Merci. Ponce, à quand un stream perso? En vrai, la semaine prochaine, j'en ferai un. En fait, j'essaie d'en faire. Ouais. En fait, j'en ai fait qu'un depuis que je suis à Paris. Ouais, c'est un peu galère parce que, vu que j'ai pas d'appart, je suis obligé de squatter les locaux de le stream, enfin de Webedia. Et sauf que, bah, c'est pas toujours dispo en vrai. Et donc, je fais pas ce que je veux. En vrai, c'est un peu galère. Genre, même des fois, pour streamer sur le stream, c'est galère de prendre le fond vert. Donc, moi, je leur dis, mais gros, si j'ai pas de chez moi, donc si je peux pas streamer sur le fond vert, je peux pas streamer en fait. Merde. Donc ça paraît un peu compliqué pour le moment de prévoir, mais je pense qu'il y en aura un dans le courant de la semaine prochaine. Je sais pas quand, mais je vous tiendrai au courant. Mais par contre, dès que j'ai un appart, les gars, ça va tryharder la chaîne perso, je vous préviens direct. Hein. J'ai envie de jouer à des jeux de chill avec vous, genre en mode chez moi, quoi. Tu vas mourir, toi, ou... Voilà. Chiant. Ouais bah oui. Merci. Ouais. Oh ouais, je me suis fait laver encore. Ok là-dessus, 2-0. Je suis rincé comme la Pologne, c'est incroyable. Ouais, mon pote. Eh ouais mon pote. Bon, je pioche du coup. Tu pioches pour WM? Ouais, oui. C'est pareil. Hein. Alors. Tu dors où? Bah ça dépend. Chez des potes, chez ma copine, à droite à gauche quoi. Ah ouais. Alors. Salut Eli. C'est quoi? Quatrième dimension. Questionnaire quatrième dimension. Ouais, c'est vrai parce que du coup c'était quatrième dimension parce que au Super Bowl notamment ils ont lancé un nouveau trailer pour le reboot de la série quatrième dimension. Et okay. Et du coup bah je me suis dit ça fait un petit questionnaire quatrième dimension. Je me suis dit que c'était pas mal. Okay. Du coup on répond tous les deux encore. Ok. Dans quel pays de la quatrième dimension tu aimerais vivre? Celui où on ne travaille pas, où on ne vieillit pas, où on n'est jamais malade. Travaille pas, vieillit pas, jamais malade.
Bah, vieillit pas, ça veut dire meurt pas ou... Ouais, il y a de ça, ouais. Parce que meurt pas, c'est immonde. Hein. Je pense que. Non, mais gros, vieillit pas, meurt pas. Je pense quoi. Que être. Assez immortel de façon. Je pense que être immortel, je pense que c'est immonde. C'est le pire truc ever. Bah, c'était tout le monde est immortel. Bah, horrible. Ce qui est horrible, c'est quand t'es tout seul immortel. Prends ton temps, frérot, j'installe des drivers Nvidia. Ok, pas de soucis, Max. Pas de soucis, mec. Tu me dis dès que t'es chaud. C'est toi qui reprends, je pensais que. Ah, tu remplaces peut-être. Tu remplaces Azox, qui est censé remplacer. Putain, c'est compliqué cette histoire. Pas de soucis, Max, tu me dis quand t'es prêt. Bah écoute, ne pas vieillir. Ne jamais être malade, c'est lourd en vrai, je pense. Malade, t'imagines, ouais. Tout le monde est en forme tout le temps, c'est ouais, ok, j'avoue. C'est cool, mec. Moi, c'était pareil, j'aurais dit jamais être malade également, je pense. Et dans quelle ville ? Celle où il n'y a que toi, toi et que tes amis, toi et que des femmes. Bah, toi et moi et que mes amis. Toi, t'aurais pu dire que des femmes. Non. Comment faire ? Dans une autre ville, il n'y a que des femmes. C'est énorme. Tout est possible. Tu préfères aller sur Mars, coucher avec la femme de tes rêves, avorter la mère d'Hitler. Responsabilité quand même sur le dernier truc. Hitler, il avait des idées quand même. L'enfer. L'enfer. Ah, bah, le truc, c'est que... Allô, allô. Faire avorter la mère d'Hitler, ça a peu de sens parce que... Enfin, cette deuxième guerre mondiale ne vient pas... Enfin, je veux dire, la deuxième guerre mondiale, en un sens, elle aurait peut-être eu lieu à un moment donné quelque part, tu vois, je sais pas. C'est... Après, bon, c'est sûr qu'il y aurait eu un peu moins de juifs décédés, ça c'est une certitude. Ça c'est une certitude là-dessus. Ah là 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 là, dommage. Ouais, c'est un contexte global, c'est ça. Ça changerait tellement de trucs, ça changerait forcément des trucs, évidemment. Ouais, ouais. Mais. Ah, mais est-ce que coucher avec la femme de tes rêves, ça changerait pas plein de choses non plus? Mais non, mais. Le truc qui a aucun rapport. Franchement, entre aller sur Mars, coucher avec la femme de mes rêves et avorter la mère d'Hitler, j'hésite entre aller sur Mars, après aller sur Mars, je vais être là, yes, c'est énorme, et puis je vais revenir et puis terminer, bonsoir. Oh mec. Oui, bon, l'expérience est incroyable. Lourd. Bah, pas mieux que Ratatouille à Disneyland en fait. Hein. Changer l'histoire, c'est pas forcément bon, ouais. Ouais, ça dépend en quel. Tu peux essayer quoi. Je viens de voir un truc dans le chat. Les gens, c'est quoi la plus longue durée que vous n'avez pas eu de relation sexuelle? Car moi, je commence à déprimer. L'enfer. Ah, en vrai, je sais pas. Allez, avorter la mère d'Hitler. Ouais. Mais bon, je passais la meilleure idée, tu vois. Enfin, non, mais je veux dire, les verres, ouais, comment papillon, avec un cintre, avec une aiguille, pardon. Ah, c'est important, l'avorter. Bah, je te donne un coup de massue dans la tronche. Non, elle y peut rien. Elle y peut rien, peu cher. Elle a dû avoir la haine, gros. Ah, bien sûr. Bah, je sais pas. Oh, bien. Oh, il est beau, mon gamin. Bah, c'est Hitler, frère. Il est pas très beau. Pas top. Pas top. Le temps est différent. Le temps est différent dans la quatrième dimension. Alors, est-ce que tu préfères faire une escapade dans... Tu peux un peu gérer le temps, on va dire. Okay. Est-ce que tu préfères faire une escapade dans ton enfance toutes les semaines, aller dans le futur, ou tu vis le temps présent en l'étirant? Je vis le temps présent en l'étirant. Ouais. Je pense, ouais. Parce qu'en vrai, retourner dans son enfance, je pense que tu verrais trop de trucs où tu te dirais, oh putain, tu vois, enfin genre tu aurais eu un sentiment nostalgique qui peut être peut-être déprimant, maybe. Aller dans le futur, c'est hors de question, gros, genre savoir ce qui va t'arriver, c'est infâme. Ouais, mais tu quand même retourner dans le passé, c'est-à-dire que tu peux peut-être discuter avec des gens de ta famille que tu peux plus voir et tout ça, c'est pas mal aussi. Ah, mais c'est immonde, tu reviens dans le présent et t'es là. Non, c'est gros. Oui, c'est vrai. Non, clairement, c'est plutôt étirer le présent comme je le veux, quoi. Ouais, c'est mieux. T'imagines, t'as des moments insane. Allez, bon, ça a duré 24 heures au lieu d'une demi-heure. C'est lourd, gros. J'avoue. Enfin, moi, je préfère ça. Hein. Après, c'est. Oui, non, mais oui. Toi, c'était plutôt quoi, moi, le futur, j'avoue, je suis assez curieux. Gros, c'est immonde. À mon avis, c'est. Bah, tu sais exactement. Imagine, là, j'ai un saut dans le futur dans 2 mois. C'est-à-dire que les 2 mois qui vont arriver. Mais du coup, je préchote de ouf, mec. Je préchote ma vie. Tu préchotes zéro, t'as vu ton futur? Tu préchotes rien du tout, tu sais juste. Ouais, mais je peux préchoter. Enfin, j'essaie de voir comment ça s'est passé, où j'en suis, et d'en tirer toutes les conclusions. Ok. Ça aussi. Ok. Et ben voilà, c'était l'interview 4ème dimension. Non, c'est vrai? Ouais. Ok. Et ben écoute, Max n'est pas encore prêt, il n'y a pas de souci, Max. Nous, on va se refaire un dernier BO, puisqu'il reste de toute façon un dernier questionnaire. Et c'est la question. Radio Sex. On le fait vraiment en dernier, c'est un problème. On aurait voulu le faire, on n'y serait pas arrivé. Ok. Bah, du coup, est-ce qu'on le fait pas en rapide, en genre BO1? Bah, ça dépend. Max, il te faut combien de temps à peu près, mon pote? Dans 5 minutes, je suis. Ah, bon, bah, on se fait un BO1. On fait un BO1. Chacun avec nos mains. Comme ça, on a le combat épique, you know what I mean. Pirité de regarder son passé en vrai. Bah, ouais, je pense aussi. En vrai, je pense que c'est dur. Ok, BO1 avec nos mains. Donc, ça va être un combat d'anthologie entre
Non, bon, pas du tout. Pas du tout. On est juste là, quoi. Pikachu. En tout cas, merci Rivain d'avoir apporté ce petit concept qui fait oui, que c'est après, rigolo. On essaye de... Voilà, c'est cool, mec. On voit ces trucs. Après, tous les questionnaires n'étaient pas incroyables, mais on a testé. Non, mais... Ok, les premiers pourcentages qu'ils ont mis pour qu'on se fasse deux fois. Non. Peut-être une troisième. Hop là. Ah oh, mais tu vois, tu me chopes à chaque fois. Je chope. Allez Aurélien. Allez Aurélien, il me dit. Aurélien, laisse maman gagner. Oula. On rappelle le passif de Lucario qui fait que plus il a de pourcentage, plus il fait mal. Arrête, c'est vraiment une pression psychologique que tu m'imposes à chaque fois. C'est le but. Oh, bien ça. Belle. Belle. Oh. Oh. Ah. Mais tu vois, mais il faut pas la spam, hein, la... La chope. Bah, en fait, quand tu cours et que tu chopes... Oh non, ah. J'ai attendu trop longtemps. Ouais. Quand tu cours et que tu chopes, ta chope a plus de range, entre guillemets, tu vois, parce qu'elle... Attends. Oui, pas mal. Bien joué. Bien joué, une petite claque de 4%. Oh. Ça, je me fais toujours avoir, je fais n'importe quoi. J'ai fait mon counter. Voilà. T'étais tu vois cette frame d'invincibilité qui est dure à gérer, je trouve. Allez, c'est pas mal là, on est. Allez, dégage. Oh, je fais des trucs dangereux. Non. Et ouais, et là, mais je vais tellement cher avec mes 140%, mec. Ouais, en fait, je vais tellement loin, c'est insane. Non, pour une fois, je veux te choper, c'est bon. Oh, ouais, belle, si, oh, belle. Pour une fois, elle passe la chope. Il gagne. Merde. Dur. Ouais, mais il a tellement une petite range, ce Pikachu là, ce petit rat. Un petit rat, hein, on met dans le contexte. Hein. Oh. Je croyais que t'allais faire nimp. Hop là, le petit counter qui m'envoie. Tu vois, mec, c'est trop bizarre. Ok, c'est possible. Est-ce c'est que possible vous savez, que je peux le win celui-là. Est-ce que vous savez dans le chat pourquoi des fois le counter m'amène genre giga loin. Genre là, il m'a amené vraiment tout à. Enfin, je pouvais pas gérer ça, cette distance-là. Trop bizarre. Oh, je l'ai bien joué ça. Petit sidestep là. Oh! C'est vrai que t'as m'envoyé un gros truc alors en fait pas du tout. Bien joué, à chaque fois tu m'anticipes là-dessus. Le counter. Oh non, le counter, mon pote. Encore. Et tu vois qu'il m'amène encore loin, regardez à gauche, c'est trop bizarre. Ouais, je sais que je peux faire deux mouvements, mais je me rate souvent. En fait, vu que je joue comme je suis en train de m'habituer en fait à la nouvelle manette, enfin je la préfère, mais je suis pas encore bon dessus. Oui, c'est vrai. C'est ça en fait. Oh là là, ponce trop fort depuis le training de GCB. En vrai, ça m'a beaucoup aidé, hein, bon, de jouer avec GCB. Du coup, c'est la dernière, c'est Radio Sax, bien évidemment. Son du jeu pas assez fort, mais bon, à une minute de la fin un peu tard. Ouais, mais en fait, le truc, Max, c'est que c'est trop sensible le son et j'ai monté d'un millimètre et c'était beaucoup trop fort apparemment. C'est trop sensible. Je sais pas pourquoi c'est si sensible. On finit en speed du coup. Ça dépend si Max a le temps. On s'arrête là, je pense. Et on garde ça, t'inquiète, on garde sous la main, mec. Oui. On garde l'interview Max, Radio Sax alors. Est-ce que tu es là, Max? Sous la main. Sous la main. Oublie pas le saut avant de up B. Oui, c'est vrai en plus. Vas-y, t'inquiète. Ah, bon, allez, on fait le questionnaire Sax pour terminer. Interview, ouais, c'est ça. Alors, on va le faire vite quand même. Allez, sans vas-y, question. Draguer ou se faire draguer? Draguer. Caresser ou se faire caresser? Caresser en se faisant caresser? Ouais. Ouais, et toi? Caresser en se faisant caresser. Ouais. Caresser, je pense. Tu préfères caresser qu'être caressé? Je sais pas. Ouais, j'aime bien, ouais. Ok. Larguer ou se faire larguer?
En vrai, je préfère me faire larguer, je pense. Ah ouais ? Ouais, parce que j'ai tendance à avoir une recovery qui est bonne, IRL. Enfin, genre... J'ai un B qui est plutôt excellent. Si tu veux, mon down B est lourd, en vrai. Mais non. Non, en vrai, de manière générale, je peux tanker plus facilement. Je pense que je peux tanker plus... Je préfère tanker moi, parce que je sais que je suis OK, plutôt qu'aller faire du mal, en vrai. Ouais, en vrai, c'est... Pour avoir testé, c'est horrible de larguer quelqu'un. En face, tu vois. Ah, c'est immonde. C'est la pire sensation. C'est immonde. Parce que tu as pression envers cette personne, enfin tu la détestes pas normalement, tu vois. C'est bah non. Enfin, t'essaies quand t'essaies en face de faire en sorte que ça te passe bien. Bah oui. C'est vrai que c'est la ah pire. Ah non, c'est immonde. C'est le pire sentiment. Oui. Une partenaire qui baisse bien et qui est infidèle ou qui baisse mal mais qui est fidèle. Et qui est fidèle. Pas qui, mais qui est fidèle, c'est un peu pas ouf. C'est pas ouf. Qui baisse bien mais qui est infidèle, tant que je le sais. Si je le sais et que c'est ok, enfin tu vois. Okay. Bah, j'aurais répondu ça aussi. Ouais, si c'est une relation. Ouais. Mais bon, après à choisir, je prends qui baisse bien et qui est fidèle, tu vois. Ouais. Après, ça dépend de la relation que t'as, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est ça mon rêve. Bah, on t'enchaîne. Faire l'amour avec 1000 partenaires de la même façon ou avec une partenaire de 1000 façons différentes. Une partenaire de 1000 façons, mais genre, mec, la question c'est pas. Il est là! La question se pose pas, non mais gros, genre je pense que tu prends 10 fois plus de plaisir à faire de 1000 manières différentes de l'amour avec une seule personne que. Enfin, genre en vrai, quand t'enchaînes les coups de une fois, c'est pas ouf quoi! C'est juste pas ouf en fait! Tu as besoin d'aimer pour faire l'amour ou besoin de faire l'amour pour aimer? Question épineuse, bien évidemment. Non, j'ai pas besoin d'aimer pour faire l'amour. Mais oui, je vais dire j'ai besoin de faire l'amour pour aimer, ouais. Ah ouais? Mais en fait, j'ai quand même l'impression. Bon, charo. Mais non, bah non. Enfin, j'aime le cul, oui, mais en fait. Non, ça c'est vrai. Oui, mais en fait, non, le truc c'est que je pense que dans un couple, par exemple, je pense que déjà si le cul ça se passe très bien, c'est déjà quelque chose de. C'est bien. C'est bien, tu vois. T'as l'un envie de l'autre, l'autre a envie de l'un. Ouais. Parce que tu vois, si tout va bien sexuellement et que les deux personnes se côtoient régulièrement, en vrai, ça enlève déjà des poids énormes, tu vois. C'est cool, tu vois. Ouais. Genre t'es épanoui sexuellement, physiquement du coup aussi, c'est ok tu vois. Une réussite sexuelle c'est une réussite dans le couple. Non je dis pas que c'est systématique mais je dis que ça aide beaucoup tu vois ça je pense. Ça facilite des choses. Oui. L'endroit où tu serais incapable de faire l'amour. Incapable. Un tractopelle, c'est difficile. Ouais mec un tractopelle je te la retourne. Le 32 tonnes il passe. Boum. Non je sais pas, en vrai je sais pas, vraiment où je détesterais. Toi, il y a des endroits où vraiment c'est immonde, ça te. Les voitures, c'est pas ouf. Ah, moi je kiffe dans une voiture, ouais, gros. Avec la buée et tout. Après, je sais pas si je. L'endroit où je serais incapable, mais genre, c'est pas ouf, j'aime pas. Ah moi, oui. Je fais 1m93, gros, c'est chiant. Là, tu sais pas où te caler. Mais ouais, c'est relou. Puis moi, mais après, si tu fais ça dans une limo, c'est cool, tu vois. Mais moi, j'ai fait ça dans une 107, gros. C'est chiant. Il y a une bonne réponse, mec. En stream. J'avoue que faire l'amour en stream, je serais moyen chaud dans l'idée. Ouais, j'avoue. Dans une banne à ordures. Ah ouais, oui, par exemple. Oui, je pensais pas à tous ces endroits. Oui, effectivement. Dans une mare à cadavres, par exemple, c'est mort. Dans un cimetière, c'est vrai que c'est pas ouf. Ouais, par exemple. Embrasser, c'est tromper. Ça dépend du contrat que t'as avec ta partenaire. Ça c'est je pense que c'est super subjectif. Quand j'ai écrit cette question, je savais exactement que j'allais dire ça. Bah oui. Sûr. Non, ça dépend du contrat que t'as avec ta partenaire en fait ou ton partenaire. Genre, c'est-à-dire que si vous partez, enfin en fait ça dépend. Dans une chambre froide, quel enfer. Oui, entre deux morceaux de jambon qui sont entre toi et ta partenaire, c'est pas ouf effectivement. Et pour terminer, tu sais c'est trompé. Là, c'est le contrat est un petit peu plus. Ça dépend du contrat. Il y a un petit peu plus d'astérisque au contrat. Ah ouais, mais ça, encore une fois, je pense que ça dépend du contrat. Dans un couple, comme on l'entend, un couple exclusif, bien sûr que sucer, c'est trompé, tu vois. Mais par contre, mettez des capotes quand vous sucez, parce qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent se choper, même si. L'herpès, là. En fait. Non, mais même les IST. Les IST se chopent aussi ouais. En suçant des bites, en suçant des clitos, ce que ce tu veux. De tu vois. Non, en vrai, protégez-vous, même s'il n'y a pas pénétration, vraiment. Pourquoi je dis ça ? Si d'action on est là. Eh, ça part. Mais non, mais du coup, c'était quoi cette question de merde ? Ah oui, sucer, c'est trompé. Bah oui. Dis-tu en me touchant la cuisse. C'est quoi cette question de. Oui. Juste imagine ta femme, toi. Celle que tu maries, elle suce un gars. Ah bah c'est sûr que quand il y a mariage, t'es sur un contrat quand même où ça a l'air d'être de l'exclusivité. Ah, c'est ce que je te dis, il y a quelques petites astérisques au contrat, faut bien lire entre les lignes et les petites lignes tout en dessous et tout en bas et qu'à l'envers. Hein. Non, mais bien sûr, mais ça, franchement, non, mais c'est mort pour toi. Voulez-vous prendre Gilbert pour époux ? Ok, vous mais l'aimerez. Je peux sucer ailleurs. Okay. Vous pouvez sucer ailleurs. Alors là, je dis oui. alors là, oui. Bon, merci, Rive. Check ça. Merci beaucoup d'être venu, c'était cool. Merci à toi pour l'invitation. Bah, merci à toi pour ces petites choses que tu avais préparées, qu'on a un petit peu. On a essayé des trucs.
quand un petit peu décoré ce Smash. En tout cas, ce que je vois, c'est que je reste meilleur pour le moment. J'ai plus d'heures de jeu. Je vais train pour essayer de rattraper un petit peu le retard, pas te le cacher. On va vous laisser avec Max. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Passez une très très bonne fin de soirée. Exact. Et à très bientôt. À très bientôt. Salut.